Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Chris et aujourd'hui on se retrouve sur GTA Vice City pour un nouvel épisode. Donc épisode je ne sais plus combien comme d'habitude, hein. Donc regardez tout l'argent qu'on a. On a 213 000 dollars, un peu plus maintenant, mais voilà, on a énormément d'argent. On a assez d'argent pour acheter toutes les business, toutes les sociétés, tout ce que vous voulez pour finir le jeu. Donc là on va acheter le Malibu Club et en fin de vidéo on ira vite fait acheter le concessionnaire et je vous expliquerai pourquoi on ira vite fait et on fera pas ça maintenant. Donc voilà, donc là on va l'acheter directement, on perd pas de temps, on a assez. Yeah, le Malibu. Alors j'ai passé 2h30, 3h je pense à récolter l'argent de chaque business. Donc voilà, donc maintenant on a le club. Je pense qu'il faut rentrer dedans ou il va avoir un coup de fil. Attendez, on va sauvegarder comme ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Donc là on rentre dedans. Donc oui, j'ai passé 2h30, 3h à récolter tout l'argent. J'ai pris un peu plus que ce qu'il nous fallait parce que je crois que le concessionnaire il vaut 70 000. J'ai pris un peu plus de 20 000 de plus pour qu'on achète des armes également plus tard parce que on va en avoir besoin. Tommy, hey Tommy, look at this. This is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, whatever. Well, I got the chalkboard you asked for. Ah, that's the benefit of a law school education. The ability to follow instructions. No, I need a safe man. Oh, all right, well, let me think. Safe. I got it. This guy will blow you away. Ah, nah, that schmuck. He's on the inside. Where inside? In a police headquarters cell awaiting transfer. I think he's about to get paroled. Ok, donc ils m'ont changé de tenue. Je me suis fait chier en off avant de faire l'épisode et aller chercher un beau costard, tout ça. Voilà, pour qu'on ait le style. Les mecs m'ont remis en chemise. Eh ben, c'est génial. Donc là, on va aller libérer un mec qui va être transféré en prison. Mais normal, le mec, on lui dit qu'il va être transféré. Qu'est-ce que Tommy lui fait? Il dit, bah non, on va aller le chercher. Et puis la police, ils vont pas aller rechercher derrière. Donc je crois qu'il est là-dedans. Et il faut descendre. Tu trouveras quelque chose d'utile dans la salle des casiers. Oh merde. Je crois qu'on a raté la mission. Parce qu'en fait, je crois qu'il y avait une tenue de flic. Mais vu qu'on est repéré, maintenant c'est trop tard. Bon bah, il faut courir alors. Est-ce que le fusil à pompe il va me servir? Oulala. Cours Tommy. D'accord. Non mais voilà. Bon là j'ai pas d'excuses. Je suis allé trop vite. Je pense que on va la refaire tranquillement. C'est parti. Ok, donc là on va aller dans les casiers tranquillement. Donc c'est ici. Et normalement il y a une tenue de flic. Si je me trompe pas. C'est ça qu'on va mettre, voilà. Donc là normalement on va la faire plus discret. Là ça va gérer. La carte d'accès aux cellules se trouve à l'étage. Ah oui, mais je me rappelle pas qu'il y avait autant de petits trucs à faire. Allez là-bas, hop, pardon. Oula, lui monte sur les. Je monte sur les chaises, personne dit rien, salut. Hop, là il y a un petit truc à récupérer. Je sais pas. Oh, on en a 4. Bah dis donc. Je sais pas ce que ça fait quand on a les 100, parce que. Plus jeune, je me faisais pas chier à chercher les sangs. Mais je sais pas ce que ça fait. Hop, et il est ici. Cam Jones? Yeah, that's me. I'm busting you out. Whatever you say. Ouais, génial. J'adore les dialogues. C'est mes flics. Mais attendez, je suis de la maison, les mecs. Putain, on va se faire buter. Est-ce que si je me dépêche de sortir, il va faire pareil? De la joue pas perso, reste avec tes potes, j'en ai sûr. Non. Attendez. Largue les flics et perds ton indice de recherche. Milou. Oh putain, je crois que je l'avais tué ce con. Attendez. Faut arrêter les conneries. Y a pas un gilet pare-balles normalement? Attendez. On va mourir.
Il y avait de la vie en haut. Faut qu'on monte en haut. Ouh là là. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais je sens que cette mission elle va être super chiante. Ok, allez viens Bobby, on y va. Alors là, j'ai garé une voiture juste devant pour pas qu'on ait de problème. Si tu me suis mon pote, tout va bien aller. Il faut vite que tu me suives par contre, faut vite que tu me suives. Oh, ils sont tous autour de ma voiture. Oh putain, grouille. Non. Grouille. Espèce de tocard. Attendez. C'est la merde là. Il est dedans? Oh oui, c'est bon. Oh, ça lag. Ah, par contre, quand il y a beaucoup de monde et que ça tire, ça lag. Ce jeu laguait pas mal. Après, je sais pas si sur PS2 il laguait autant. Mais en fait, ce jeu, il lag énormément. Ah bah c'est bon. Par contre, on a... C'est ça que j'allais dire. On a combien de 4 étoiles? Il y a aucun flic qui nous poursuive, quoi. D'accord. Oh putain. Bon, c'est fini. C'est fini pour eux. Cours. Là, il y a une étoile. Vite. T'as supposé faire sortir, pas le faire tuer. Mais putain, c'est pas vrai. Bon. On l'a refait. Mais vraiment rapide, quoi. Et cette fois pour de bon. Allez, à tout de suite. Ok. Go. Vite. Il faut qu'il monte dans ma super voiture de sport. Allez. Dépêche-toi. Oui, c'est bon. Allez, alors maintenant, là, on fonce. Et on regarde pas devant. On regarde pas derrière. On perd pas de temps. Allez, vite. Il faut surtout pas perdre. Alors, attendez. Il faudrait qu'on change de rue. Parce que celle-là ne me porte pas bonheur. Oh, putain, et ça va pas, hein. On est niqué, on va prendre feu vite, faut changer de voiture, il y en a une dans le coin je crois. Oh putain, oui il y en a une là. On n'aura pas le temps de la prendre, c'est pas possible. Cours. Oh non, t'es dans le mauvais sens mon pote. Vite. Allez, dépêche-toi mon pote, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi Bobby. Allez vite maintenant. Attends mais c'est qui le mec en jaune là? C'est des flics civils? Oh là là, les mecs et tout. Oh, mais la mission catastrophique. On va pas rester sur cette mission pendant tous les... Oh, pas dans l'eau. Pendant tous les... Eh, mais ils vont me mettre dans l'eau. Arrêtez, bande de cons. Non. On se calme. Oh putain, je vais reprendre feu. Oh là là. Vite. Le camion d'ambulance. Dépêche-toi, ça va exploser. Allez, vite. Derrière, devant, choisis. Ok, là, normalement, on est un peu plus blindé. Enfin, j'espère. Donc, on peut y arriver, je le sais. Ah, oh non. Je crois qu'on peut pas changer de la voiture de couleur avec un camion comme ça, je crois. Je crois qu'on va être niqué. Oh non. On est niqué. C'est un cul-de-sac ici, j'en suis sûr en plus. Il faut qu'on trouve une voiture de civil. On trouve une voiture de civil. Et c'est pas ce qui court les roues là. Les roues, bah oui, évidemment. Hop, là il y avait une étoile ici. Eux c'est les flics civils, d'accord. Oh putain. Oh là 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 là. Hop, je crois que je suis bloqué. Oh là là, mais où est-ce qu'on peut trouver... Attendez, il y a un parking dans le coin, normalement. Il est où, un peu plus loin, je crois. Il est juste là. Je suis sûr qu'on va trouver une voiture là-dedans. Dites-moi qu'il y a des voitures. Oh oui, putain, il y en a plein. Allez, mec. S'il te plaît, dépêche-toi. Ok, c'est bon, ça va le faire. Vous inquiétez pas. On va réussir cette mission. Hop. On parie combien qu'il y a des millions de mecs qui m'attendent. Même pas. Putain. Ok, elle est derrière.
Bonjour. Oui, c'est bon, on y arrive, hop là. Attendez, mais limite, il me recherchait plus, là. Ramène Cam chez lui, évidemment, t'habites où? Bah évidemment, t'habites super loin, toi. Cam. Est-ce que Cam, ça serait pas un personnage qu'on a rencontré dans Vice City Story et qui a fini en prison? Cam. Non, je ne crois pas, mais j'ai un doute, en fait, pour être franc. Oula, pardon, madame. Oh non. J'aurais pas dû écraser cette meuf. On a à nouveau des étoiles. Oh, mais le con. Bon, allez. On va aller au Open Spray. Qui est, normalement, pas très loin. Et on va gérer. Hop. Normalement, il est un peu plus loin. Voilà, il est là. Allez, vite. Non, trop tard, c'est pas grave. Hop, par là. Ouais, là, on a 4 étoiles, mais on a... Enfin, j'ai croisé parce que j'avais aucun flic là, à part un derrière, qui m'avait rentré dans le garage, qui va me voir sortir et qui va se dire que tout va bien. Hop, surtout, ne pas toucher un civil. Hop, là, c'est parti. On retourne chez l'autre. Est-ce qu'on aura le temps de faire une deuxième mission, du coup? Je ne crois pas. On va quand même essayer de faire une deuxième mission. Et on verra... On verra après, dans le prochain épisode, pour la suite. Hop, allez Cam. C'est ici. Oh genre, je suis à côté, arrêtez. I'm gonna be doing a job, and you're my safecracker. Beats losing my ass in his cell. Ok, $1000, bah dis donc... C'est pas comme ça qu'on va être riche. Donc on se retrouve là directement à la mission. Comme ça on perd pas de temps et voilà. Donc c'est parti, cinématique. We need a stick up man, you know one? Hey Tommy, this stuff keeps you sharp man, woo! I could be your stick up man, stick him up! You ain't a stick up man, you're an idiot. Now get yourself a drink and shut up. Hey, get out of my way! Yeah, out. Relax. Cam, what do you think? Well, the best shooter in this town is a guy named Cassidy. Is that so? Yeah, a military guy, or thinks he is. I doubt he was ever in the army, but he certainly knows how to get a hold of guns. He'll be down at the shooting range. Ok, c'est parti. Donc on va aller chercher Phil Cassidy, donc un personnage qu'on a rencontré dans GTA Vice City Story, j'allais dire Liberty. Vice City Story, donc pour ceux qui n'ont pas vu mon let's play dessus, je vous invite à aller voir quelques vidéos. Mais c'est un GTA assez cool. Donc on va le chercher, donc il va être le braqueur, un des braqueurs pour le braquage de la banque, braquage de banque dont je vous avais parlé il y a pas longtemps, je crois. Bon, dans certains épisodes, je vous en parlais vite fait. Donc voilà, donc on va avoir plusieurs missions avec lui. Je crois que d'après mes souvenirs, c'était des missions assez chiantes. Je vous le cache pas. Donc on va peut-être un peu galérer. Il faut savoir que Phil Cassidy, ça je l'ai appris il y a pas longtemps, il y a quelques mois, qu'on le retrouve également dans GTA 3. Alors je me rappelais qu'on rencontrait ce personnage dans GTA 3, mais je me rappelais plus déjà que c'était Phil. Et en fait, parce que dans GTA 3, les personnages, enfin en tout cas le personnage lui ressemble pas du tout. Même si le personnage est beaucoup plus vieux de ça. Il lui ressemble pas du tout, je trouve. Donc, pour dire que c'était lui, il fallait vraiment connaître le truc. Mais on va le rencontrer dans GTA 3, donc je vous le montrerai quand on en fera le let's play. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Mais voilà, on le rencontre également dans GTA 3. Et je le savais pas et je voulais vous le dire. Donc, est-ce que là, ça va être la mission où il faut tirer sur des cibles? Si c'est ça, on est dans la merde, hein, je vous le dis. On est dans une belle merde. Parce que je me rappelle que je galérais un peu, donc je suis toujours habillé en flic. Je suis pas passé me changer, je me changerai pour le prochain épisode. Alors attention, que va être la mission? Ah oui, c'est le champ de tir. On n'est pas bien parti. Phil Cassidy? What? A
I'm looking for a man who can handle a gun. From this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at 80 feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the Army. Fly shooting real popular in the Army? Glad I don't pay tax. You trying to be funny, kid? Let's shoot! Ok, voilà, donc là, on fait quelque chose que je déteste dans les GTA. C'est tirer sur des cibles dans un ammunition ou un truc comme ça. Ce genre de mission, je déteste ça parce que déjà à la manette, je trouve que c'est pas possible. Enfin, c'est possible évidemment, mais c'est pas. Ah oui, c'est cercle, ok, pour tirer. C'est pas maniable. Et enfin, moi je déteste ce genre de truc. Encore sur PC, je dis pas, ça pourrait être cool. Et parce qu'à la souris, ça c'est quand même beaucoup plus simple. Mais à la manette, c'est horrible. Donc les cibles. Ok, d'accord, j'ai pas tout lu. Pour quitter la manche, appuie sur carré. Ok. Bon, vous nous donnez les cibles, là. Si tu quittes le stand de tir, hein, la mission est un échec, évidemment. Je me doutais un peu. Ah oui, en plus, c'est des cibles bien pourries. Alors, je sais pas s'il y a des endroits où faut tirer, par exemple, en particulier sur la tête ou autre. Je crois qu'il n'y a pas Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait par exemple la tête donne plus de points que si tu tires en bas à droite ou en haut à gauche. Alors que vous pouvez me voir, je suis pas très bon. Va au point. Oh là là, oui. On va rester pendant 2 heures sur cette mission. Oh là 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 là. Là, ça c'est le plus chiant, ça aussi. Donc là, on va tirer sur des planches, sur des cibles de personnages qui est tiré de GTA 3. Oui, 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 je sais, vous venez de me le dire, tout ça. Il faut battre 60, mais c'est un truc de fou. J'y arriverai jamais. Cette mission, faut la faire plusieurs fois, parce que du coup, on se rappelle où sont les cibles. Et on peut tirer dessus, du coup, beaucoup plus facilement. Et si tu fais la mission pour la première fois et que tu sais pas forcément. Non non, mais attendez, il m'en restait une là. 17, mais c'est nul 17. Combien il rapporte de points cette manche? Un point, c'est pas beaucoup non plus. C'est vachement trop rapide en fait. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu au dernier. Oh, il y en a eu un à droite, mais c'est impossible de l'avoir. Hein? Mais attendez. C'est pas possible. Il me laisse à peine le temps de tirer sur des cibles. Ouais, je peux plus bouger. Ah, il y a que ça comme manche. Ah ouais. On est dans la merde. Bah écoutez, va parler à Phil. Moi je vous le dis. Je sais déjà qu'on a perdu. Je sais déjà qu'on a perdu. Le mec va nous dire qu'on n'est pas assez doué, tout ça, nani, nanana. You wanna do me a favor and help me put together a job? Son, you better get your fancy talking and big ideas and shove them where there ain't no sun. Voilà. Génial, hein? Bon, bah on est bon pour refaire la mission. Ok, donc on reprend. Donc ici, donc là il vient d'expliquer, j'avais pas lu en fait, donc j'aurais peut-être dû lire en fait pendant la première fois que j'ai tenté. Les premières cibles rapportent 1 point, la deuxième rapporte 2 et la troisième rapporte 3 points. Donc on va essayer de viser sur les cibles les plus loin. Donc là ça rapporte 2 points, celle-là 1 point, celle-là 3 points. Ouais, je suis pas sûr que... Score. C'est les têtes qu'il faut que je touche. Ah non. Ah non, c'est... Ah ouais, d'accord, il faut que je termine la cible. Ah, ça c'est pas cool, ça, par contre. Oh putain, j'avais tapé Phil. 12 points, mais c'est nul, 12 points. Pourtant, j'ai l'impression d'avoir fait un carnage, quoi. Score à battre, 60. Mais comment j'ai fait les premières fois? Comment j'ai fait? Oui, oui, c'est bon, on connaît. Voilà, feu, 3, boum.
Oh là là, mais en fait je suis trop loin du joystick. Non, et ça par contre c'est dégueulasse je trouve. Parce que regardez, là il en reste plein des cibles. Ils pourraient attendre qu'ils partent de l'écran ou qu'ils rentrent dans leur truc, enfin je sais pas quoi. Je trouve ça horrible de nous laisser les cibles comme ça. Mais là on battra pas 60, c'est pas possible. Ah mais les cibles sur les côtés c'est impossible à avoir. Ah bah d'accord, j'ai fait 2 points. On est dans une sacrée merde. Bon, bah score 24, c'est pas énorme hein. Bah écoutez, on se retrouve pas pour la prochaine parce que je suis pas sûr d'y arriver, mais on se retrouve pour la prochaine où je suis sûr de gagner. À tout de suite. Ou pas, on sait pas. So, you want to do me a favor and help me put together a job? Son, after shooting like that, if you asked me to be your wife, I'd say yes. Ok, donc désolé, je parlais plus du tout, j'étais vachement concentré, ça fait au moins 1 heure, je vous jure, 1 heure que je suis dessus. Donc voilà, on a enfin réussi. Donc écoutez, ça fait déjà assez de temps que je tourne, donc moi je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. J'espère que celui-là vous aura plu. On aura plus galéré à faire deux missions, on a galéré comme des oufs pour les réussir. Le prochain épisode, normalement, ça va le faire, tranquille. On va avancer tranquillement. Moi, je vous donne rendez-vous du coup pour ce prochain épisode, justement. À la prochaine, tout le monde. Ciao.